c'est un grand jour aujourd'hui. Un grand jour. Voilà, nous allons jouer à un jeu culte. J'ai nommé. Xenogears. Ah, voici le jeu. Le jeu d'origine à l'époque PlayStation, sorti en 98. Et le OST est Yatsunori Mitsuda. Voilà, le compositeur. Voilà, un jeu culte énormissime que je compte refaire. Bon, j'ai fini à l'époque, comme 98. Et j'ai pu refinir récemment avec le sauvegarde de l'époque que j'ai pu conserver grâce à 300 de sauvegarde sur la PS2. Et j'ai joué pas pour la fin, pas sur PS5 Pro que vous voulez, sur PS3 rétrocompatible, le jeu PS1 et PS2 japonais, donc je peux dessus. Et j'ai les jeux pas d'époque, parce que j'ai racheté après, j'ai vendu en 2003. Et voilà. Et là, j'ai envie de me le refaire. Est-ce que je vais refaire à fond ou jusqu'à la fin, et en plus de le refaire, j'ai refait avec le sauvegarde boosté que j'ai récupéré à l'époque dans un CD spécial de Square X, Super Sword à l'époque, et donc je peux commencer le jeu boosté à fond. Donc voilà, c'est un petit gain de temps, je peux vite tracer ce jeu, et c'est un jeu culte que j'ai adoré, et j'attends toujours, parce que c'est la fin, entre guillemets, de Game Saga 1, 2, 3, c'est qui est un jeu mal connu. Pourtant, ce sont des monuments du JRPG, du SFS, j'ai vu, c'est un jeu presque opéra, avec le dieu, tout ça, les démons, des monstres, une histoire. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai à peine commencé à jouer du japonais à l'époque, quand on est 17, 18, donc j'étais encore un peu novice dans le domaine, j'ai pas tout compris le jeu, mais dans les grandes lignes, j'ai compris quand même le jeu, dans les grandes lignes. Alors voilà, mais maintenant, je vais refaire quasiment 22 ans après. Le refaire, waouh, c'est comme une guerre que j'ai commencé, voilà. Ouais, pareil, c'est un must le faire. Mais non, il existe des versions, anglaises sortir en... Le jeu n'est jamais sorti en européen, en fait, jamais. Comme par STF, à l'époque, avec le JRPG, c'était pas qu'à la mode, enfin, à part sur 7 ou autre, mais je me dis, mais celui-là, non. Vraiment pas la mode. Donc là, j'ai fait plaisir de le refaire cet après-midi d'ici une petite heure en live, bien sûr, sur ma chaîne. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce jeu m'a marqué à l'époque et je vais le refaire. Voilà, je vais me dire. Côté mais c'est long. On est en septembre 2021. Voilà. À l'époque, il faut que c'était en février, je pense, ou avant Noël. Je sais plus. Que c'était juste avant le fuite, parce qu'il n'y avait pas que c'est la grande époque de JRPG japonais, la grande époque. Merci, au revoir, à bientôt, prochain live, bientôt on y est, j'y suis, Xenogears.